Oh, si tu pouvais m'aider, jeune fille. J'ai perdu, il y a 2 jours, mon entier dans ce petit étang. Est-ce que tu pourrais le retrouver pour moi? Désolé, mamie, mais ce plan tombe à l'eau. Eh bien, salut, Sagi, bienvenue pour ce troisième épisode de Dragon Quest 3 sur la DQ Collection sur Nintendo Switch. Nous avons récupéré quelques objets plutôt importants. La clé des voleurs, ainsi que la Wrecking Ball, qui va nous permettre apparemment de détruire certaines choses. On va voir. Et ça, c'est des bouquins pour changer de personnalité. Donc voilà, je parlais de vocation, c'est des personnalités dans ce jeu. C'est pas fou. Ça donne pas grand-chose. Donc on va pas le faire. Nous allons rester tel qu'on est. Alors, va falloir qu'on se dirige vers l'est. La droite. On va laisser les combats de monstres. Quoique, ils sont assez faibles. On va voir. De toute façon, j'ai pas de fiole d'eau sacrée. Donc j'ai pas trop le choix. J'aurais pu en acheter, pas très cher. J'ai fait du tri dans mes sacs, que ce soit sur mes personnages ou le sac principal. Parce que ce qui est chiant avec les DQ, c'est que lorsqu'on chope un objet, eh bien ça va sur la première personne si ce n'est pas complet. Donc là, l'herbe médicinale, elle apparaît ici. Ça, c'est un peu nul. Nul, 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 nul. On peut mettre ça dans le sac principal et après on se débrouille. Mais bon. Bah, tu vas te défendre, toi. Les prestidigitateurs. On va faire attention. Crac! Mais c'est là qui est très efficace. Hein. On va se faire balancer des sorts de flammes. Des monstres bien plus puissants vont arriver. Au fur et à mesure qu'on avance. Ah, on a un truc à droite. Tac, tac. On va faire ça comme ça. Ce sont des monstres qu'on a déjà combattu ceux-là. Lors de notre premier donjon, si on peut appeler ça comme ça. Alors, c'est un lac ou c'est quoi? On va aller voir. Un waspillon. Un scorpion mouche. Pourquoi pas? Deux points de dégâts, ok. Pas très effrayant comme mob. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, il y a un escalier. Aurait peut-être dû s'arrêter au sanctuaire. Bon, enfin, tant qu'on y est. Papy! Oh! Bienvenue dans le chemin là de la promise, jeune fille. Ah. Est-ce que ça? Oh oui. Wrecking ball. Les statues, elles font un peu peur, hein. Parfait. Un message et enfermé à l'intérieur. Please, venez nous aider. Presse le bouton X. D'accord. La carte du jeu. Oh. Y a pas mal de choses à faire. Hein. Ok. Alors, il y a des trous. J'imagine que je peux tomber. Escalier. Un trou avec un autre escalier. Waouh. Je regarde assez rapidement hein, ce qu'on a. On va peut-être commencer par le bas. Encore une fois, faisons les choses dans l'ordre, pas trop s'y perdre. Défense, est-ce que je le finis ce nouveau fourmilier? Uncobbler? Non, je ne le finis pas avec 2 attaques. Niveau
niveau 5 pour à peu près tout le monde sauf Agitar. Ça devrait bientôt arriver. Donc là, c'est fermé. Ok. Donc ça, je ne peux pas. Allons à droite. Il n'y a... rien ? Ouais, une chenille ! Un dégât. Wow, 10. On se calme, petit. Eh, mais t'es extrêmement puissant, finalement. Beaucoup de PV. Et que dalle en plein expérience. Un peu la tristesse. Alors, à gauche, ouais, c'était bloqué. Il va falloir passer par le bas, mais le bas, on ne peut pas. Ah, peut-être l'escalier qu'il y avait en bas, c'est si on tombe dans un trou. Touk. Défense. Un lièvre corne. Je peux m'endormir. Agita et Choco, c'est pour m'endormir. Très peu de points d'expérience, hein, franchement. Là, ça fait quoi? Ça descend, ça fait tout le tour. Ah, ça remet dans un trou. Attends, je vais dans le trou. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Et c'est pour ça que dans le fond, il y a un ennemi puissant. Ouais. On va aller voir par là-haut. Wow! Là, ça fait un peu de monde. Soigne. J'hésitais avec Pouf, mais ouais, ils vont utiliser des sorts d'attaque qui vont faire mal. Si tape normalement, là, ça va. Son des mages. Fiouk. Fiouk a grace. One shot. Encore. Clink. C'est ya. Vous avez stylé l'animation de la glace. Voilà. Un petit niveau 5. Et niveau 6 pour Choco. Alors là, ça fait... tour ici. On a rien. Attention de pas tomber. Ok, j'ai eu peur. Ça va ramener vers le bas, j'imagine. Et en gros, c'est le même endroit. Ouais. Bon, c'était plus efficace de passer par ici, finalement. Quelques monstres sympatoches. 40 PM. Ouais, franchement, on peut bien s'amuser avec ça. Hein. Sans problème. Et le beurre volant, au revoir. Enfin, c'est butterfly, c'est pas butter. Batter, donc mélange avec chauve-souris. Ok. Et un coffre. Et un antidote. Il va y avoir des ennemis qui empoisonnent. Hein. Crack and poof. Piou. Piou. Et pas piou. Bon, et ça t'est mort. Hein. Ping. Le bruitage, j'adore. Difficile à savoir. On va essayer ici. Le premier passage. Oula, c'est vraiment les attaques. Priorité. Ban. Ok. Ça passe tranquille. Pouf. Ils
Surtout mes mages, ouais, qui doivent pas prendre. Marche pas, marche pas, marche pas. J'ai eu peur pour Choco et Stella. Crack, mais toi par contre défends-toi. Ok, bah il finit celui-là. Et l'autre, on le termine aussi. Il y a eu un peu chaud. Ouais. Tout à fait normal. Buff. Alors, on va soigner avec elle. Et voilà, on se sent un peu mieux. C'est bloqué. Bon, ça c'est fait. Mais sait-on jamais, un petit trésor qui est caché dans un cul-de-sac, nous c'est ce qu'on veut. C'est tout? Y'a rien d'autre? On augmente la défense d'un seul allié. Ok, ça s'appelle Beau. Couvert de fourmis. Personne. Coup critique, 37. Bizarre que ça me ramène sur un trou, le trou va me faire tomber dans la salle avec la chenille. On n'a rien récupéré de plus ici finalement. Ah non, ok. Hop. Et puis, ça se trouve, ça mène quelque part aussi qui peut être intéressant. Peut-être pas. Hein. Attends, je suis revenu vers le début, ouais, mais par le bas. Oh, lac divine. Ça, ça va être un bon stuff. Là, je passe à 35 en attaque. 18 et 24. Stella. Ouais, 2 points de dégâts. Je peux mettre pour Stella. Ça évite d'utiliser nos PM quelquefois. Pour le moment. Trou. Touk. La paire gagnante. Ça fonctionne. Là. Slick. Clac. Ouais, donc ça fonctionne pas du tout la pouf. Défense. Et Sun Stella. Bien joué Choco. Tout doux. Ok. Ils font peur. Hein. Faire freeze. Et on va soigner aussi. Pan. Pan. Sort de flamme, on sait faire la même chose. Nous. Ça va amener à l'autre escalier. C'est bien cela. Ok. L'utilité de construire des portes ici. Aucune. Les PV, ça va tenir. Allez, pouf, fonctionne sur les deux. Fonctionne sur aucun. Non, franchement, Stella est très puissante. Certains se sont endormis. Lui, lui, Stella, défense, défense. J'ai bien fait.
La pauvre, elle prend. Tout le monde qui est endormi sauf Ban. Fini le lèvre-corne. Attention, Stella. Cal qui s'est fait attaquer. Malheureusement. Elle est décédée. La pauvre, elle a tout pris. Par contre, vite, qu'on sorte vite d'ici. C'était là, pas l'XP. Première mort. Hop. Est-ce que ça nous mène à quelque part de bien? Ah, le portail. Oh là 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 là. Ok, ça, ça. Il y avait à tenter sur les bubble slime le pouf. Ça fonctionne. Et ça fonctionne. Qu'est-ce que tout ce qui est sur gluant en fait, ça a l'air de bien marcher. On va s'attraper à court de PM en plus. Alors, un téléportail qui nous mène. Ok. En haut à gauche. Surprenant, un château. Bienvenue à Romaria, mon ami. Oh. Je cherche un prêtre. Pour une possible résurrection. Moonward Bulb. Disparaît quand c'est utilisé. On prend, c'est pas trop à quoi ça sert, mais bon. Avant de me reposer, il me faut vraiment un prêtre. Un casino, une arène? Arène des monstres! I get your order. Red Hot Monster Arena is wide available. Only 5 coins. Pas pour le moment. Est-ce que c'est moi qui combat des monstres ou est-ce qu'on peut avoir des monstres? Mon beau, qu'est-ce que tu vends? Pas l'équiper. Moonward Bulb, on le retrouve ici. Ce qui est armée, armure. Bronze Shield. Ouais, bien celui-là. Shell Armor, 35. Chain Mail, 39. Encore mieux, 480. Et Iron Lance. 150, mais les dégâts qu'on a en supplément. Je vais garder mon pognon. Il faudrait des armes parce que l'armure, on a ce qu'il faut, même si c'est pas extrêmement puissant. On peut tenir. 8000 médailles. Ok, casque de cuir. Tac. 23 Stella, ça va pour toi. La musique fait kiffer. Résurrection sur Stella, ça coûte 40. Voilà, elle revient parmi nous. On va voir s'il y a des bouquins.
à récupérer. Restless Earth. Qui augmente la résilience. Donc la résilience, ça va être la défense. Plus 10. Et ça sur Stella. Celle qui a le peu de défense. Eureka Moment. Change personnalité, Eureka Moment. Non, c'est pas lequel. Et moi, j'ai pas utilisé ça dans le vide. Je ferai juste des sauvegardes et après, je verrai. Qu'est-ce que ça donne comme personnalité. Pas avant. Fait. Le monsieur là qui est tout en bas, qui est vénère. Donc on a raté une tour avant que je rentre dans ce dans la grotte qu'on a fait là. Et enfin le château. On ira plus tard. On va aller se faire ce truc. Alors, quelle est la différence entre les deux? Et toi, c'est 50. Quel monstre va gagner? Il faut prédire. Il faut prédire une victoire. Alors, 3,7, 3, 3 et 3. Donc, il y a plus de chances que ce soit le Anthony Blur qui gagne. Mais ça dépend si les autres monstres le tapent lui. Allez, on va quand même faire sur ce monstre. Parce qu'ils vont tous se taper. Je sais plus si c'était dans quel Dragon Quest il y avait ça aussi, tu vois. Ah, pas sur lui. Il était vaincu. Je crois que si la côte est plus haute, c'est justement parce qu'il a moins de chances de gagner. Purple Slime, as-tu me donné un indice pour le prochain? Allons voir. Bon, j'aurais dépensé 105, mais bon, c'est... pour découvrir. Ok, il n'a pas été attaqué. En plus, il a été battu. Ah, ça a l'air de m'aider pour savoir qui va gagner, qui va remporter ce combat. Et je remporte que 65. C'est tout. Ouais, c'est par rapport à la mise, à la cote, c'est normal. Plus élevé, plus je gagnerai. Voilà. Tac. Utiliser. Donc je peux retourner si je veux en arrière. Ouais, l'espèce de sanctuaire tour. J'ai envie d'aller voir. Hein. Encore une fois, il n'y a rien pour sauvegarder ici. J'en ai marre de devoir utiliser la sauvegarde rapide. Là c'est bloqué. Ok, on ira plus loin lors du prochain épisode. En tout cas, j'espère que tu auras apprécié celui-ci. Et puis je donne rendez-vous pour la suite de notre aventure sur Dragon Quest 3, les graines du salut. Je te fais des bisous et à la prochaine. C'était AJ. Tchuss. Au revoir, bande de gonzesses. Oui, oui, monsieur. Enfin, madame. Enfin, et à quoi vous ressemblez, hein?